Présentez-vous. Je m'appelle Hassan Kourma, je suis le coordinateur départemental de l'UNICEF. Monsieur Kourma, quelle est votre attente sur le fait que vous passez du Peut-être avant de donner d'abord mes attentes, je pense qu'il faut d'abord faire une situation de Gouram, surtout du chef-lieu du département de Gouram, qui est dans une situation vraiment catastrophique. Je pense que Gouram, c'est actuellement le seul département du Sénégal où il n'y a pas de petit manche ni de palage, rien du tout. Donc le problème, il est là. Donc aujourd'hui, nous sommes là, on n'a pas de route. Tous les chantiers qui ont démarré à l'arrêt, n'est-ce pas? Les centres de pêche, les centres de formation, bref, tout est aux arrêts ici. Gouram, vraiment, c'est un département entièrement à part. Donc, voyez-vous, tout ce que nous attendons de ce nouveau gouvernement, c'est quoi? C'est la rupture. D'habitude, quand ton parti vient au pouvoir, si c'est une localité où il n'a pas son maire, n'est-ce pas, quelque chose comme ça, il faut toujours essayer de bloquer. Je pense que même, je peux même dire même que ce qui est arrivé à Gouram est un peu dû vraiment à la position de Gouram par rapport au régime. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on a été sanctionné. Donc, on n'a rien. On s'est battu comme tous les autres départements. Mais le cas de Gouram est un cas spécifique. Donc Gouram s'est beaucoup battu, Gouram s'est beaucoup battu. Je pense que vraiment nous attendons à ce que Diomaye Faye et sa bande, vraiment, qu'ils fassent pour avoir un clin d'œil, un très sérieux clin d'œil sur Gouram. Gouram manque de tout. Pas d'infrastructure routière, pas de stade. Ici, même pour la radiographie, on va à Ziguinchor. Notre radio, le matériel est là, ce ne pouvait pas être implanté jusqu'à présent. Donc la situation est telle que je dirais que la situation est catastrophique à Gouram. Gouram manque de tout comme département. C'est un département entièrement à part, comme je l'ai dit, il faut vraiment nous aider. Parce qu'il faut nous aider dans tous les sens. Dans tous les sens, on en a besoin, l'urgence est là. Ça urge ici, il faut tout faire courir et essayer de nous aider. Parce que c'est ça la situation. Mes attentes par rapport à ça, c'est qu'il mérite l'accent sur la jeunesse, qu'il lutte contre la vie chère et surtout. Mais plus l'accent sur l'éducation. Donc, il y a un président.
Nous avons un projet qui est 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 un